Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à 6 questions. Enfin, les 6 personnes qui ont été les plus rapides en fait. Parce que je vais faire une foire aux questions parce que j'ai encore un peu de temps avec ce superbe décor. Là, c'est derrière notre petit appart enfin, provisoire, on est là 4 nuits et demain on s'en va. Et bref, aujourd'hui, je te fais une foire aux questions. Et bah, je vais commencer par la première personne, celle qui était la plus rapide. Alors, c'est une question de LTVS qui me demande. Que penses-tu de cet engouement des jus à l'extracteur? Des fruits entiers, d'accord, un smoothie, d'accord, mais retirer tout le squelette ainsi que les fibres du fruit pour simplement garder le jus, je trouve ça dommage. Je ne vois pas trop l'intérêt de perdre des nutriments et la majorité des fibres pour des machines ultra coûteuses et pas du tout naturelles. D'autant que nous connaissons aujourd'hui l'importance de la microbiote et l'importance des fibres pour la garder saine. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un souci pour les gens qui boivent que ça, qui font que des cures de ça, et puis après elles se plaignent qu'elles vont pas bien, elles tombent malades, elles manquent d'énergie et tout ça. J'ai rien contre un petit jus qui accompagne un repas, un jus pour je sais pas, le goûter à 4 heures, tu vois. Je trouve que c'est. Non, c'est même très bien de boire du jus plutôt que de boire un truc tout chimique, tu vois. Après, c'est vrai que ces appareils sont super coûteux. À l'époque, j'en ai acheté une aussi, un extracteur de jus, et c'est vrai que c'est pas très utile. Mais après, quand c'est voilà, un bar à jus qui a une machine comme ça, ça justifie qu'ils payent autant pour ça, quoi. Moi, ça me pose aucun souci que les gens boivent des jus, du moment qu'ils considèrent pas ça comme un repas. Parce que sinon, on part dans les TCA, on part dans les cures qui vont de pire en pire, qui améliorent rien du tout. C'est censé faire de la détox, alors qu'en fait, bah, ça sous-nourrit le corps. Donc, tu vois. Faire un petit jus en plus d'un repas qui contient des fibres, ça c'est bien. Faire un petit jus en pensant que ça va contrebalancer la junk food qu'on mange à côté, ça va pas marcher. Bon, ça apporte un peu de vitamines et tout, de l'eau, quelques antioxydants, mais bon, les smoothies c'est mieux. C'est clair que c'est mieux les smoothies. Et un smoothie ça peut faire un repas entier, c'est ça qui est super avec les smoothies. En fait, c'est des fruits réduits en purée pas cuite, quoi. C'est ça. Après, on peut aussi rajouter de la verdure dans les smoothies. En fait, on garde les fibres dans les smoothies. C'est juste que les fibres deviennent plus courtes. Donc, pour moi, les smoothies, c'est très bien. Ça n'a pas besoin de coûter super cher. Une machine à smoothie, ça peut coûter ouais, 50 euros. Ça suffit. Pas besoin de se ruiner dans un Vitamix, tu vois. Donc, bref, pour en revenir à ce que tu dis. Ouais, on est d'accord dans tout ce que tu dis, quoi. À l'époque, j'ai fait plusieurs tests en fait, voir s'il y avait moyen d'en vivre, parce que bah, certaines personnes qui ont prétendu ça, mais en fait, non, on peut pas vivre des jus. Il y a encore des nutriments importants qui sont dans les fibres et qu'on peut que digérer dans le côlon. Bref, t'as compris ce que j'ai dit, quoi. Et ouais, le microbiote, il compte sur tous les nutriments qu'il y a dans les plantes. Et vouloir enlever les fibres parce que c'est un peu inconfortable. Je trouve que ça va pas dans le bon sens. Ok. Et ah oui, t'as dit aussi que c'est pas du tout naturel de faire du jus. Oui, ok, c'est pas du tout naturel. Mais après, le naturel, c'est pas un argument qu'il faudrait utiliser en fait. Parce que, regardez, là, j'utilise un t-shirt, c'est pas naturel. J'utilise des chaussures, c'est pas naturel, etc. Donc, le naturel, c'est pas un argument valable. Ce qui serait plus judicieux, c'est de voir si c'est bon pour la santé, s'il y a vraiment des arguments là-dessus, mais bon. Si quelque chose n'est pas naturel dans notre monde, bon, il y a très peu de choses qui sont naturelles dans notre monde en fait. Donc, et ouais, moi aussi j'aimerais bien retourner au naturel, mais là c'est pas possible. On est trop d'humains pour pouvoir vivre de manière naturelle. C'est juste pas possible, quoi. Faut qu'on vive avec des solutions qui sont réalistes pour les jours d'aujourd'hui, quoi. Ensuite, j'ai une autre. Ouais. Deuxième question de Showtime, Showtime. Dans les deux dernières vidéos, on te voit manger des céréales avec Paul. Que penses-tu de ce genre de céréales justement, car elles sont pleines de mauvais sucres? De temps en temps, ou est-ce qu'il faut les éviter? Alors ces céréales, c'était des céréales super raffinées, avec du sucre qu'on rajoutait par-dessus, et du lait de riz. Alors, pour en revenir à l'argument du naturel, la plupart des choses qu'on mange, c'est pas naturel. Dès que c'est coupé avec un couteau, ce n'est plus naturel. En fait, il faut les couper avec les dents pour que ce soit naturel. Je suis pas une fervente du naturel, je prône pas le naturel à tout prix parce que voilà, le soleil c'est naturel. Si on se prend trop de soleil, on prend des coups de soleil. À un moment, il faut juste avoir un peu de discernement et voir si c'est vraiment bon ou pas pour notre santé en fait. Si c'est plaisant et pragmatique dans un monde où on est très nombreux. Alors, dans le cas des céréales, ben, en fait, ça permet de se nourrir à moindre prix quand on n'est pas super riche, quand on peut pas acheter 3 kilos de myrtilles pour le petit déjeuner par exemple.
En fait, si on mange ses céréales parce que c'est bon, parce que pour la santé ça va. Et voilà, on se rend pas trop la tête quoi. C'est-à-dire, ça fait quand même quasiment, ouais, ça fait 9 ans que je suis végane et qu'à un moment, si on veut rester végane, faut aussi savoir se faire plaisir et puis pas être en mode je me restreins parce que c'est pas 100% idéal ce truc-là. À un moment, faut faire aussi des choix avec qu'est-ce qui est pratique et qui reste quand même éthique. Ah, tu parlais aussi des mauvais sucres. Alors, je t'expliquais mon point de vue en une image. Alors, Paul vient d'acheter ça. On va le finir en moins de 24 heures. À deux. Aucun souci, on l'a déjà fait tellement de fois. Ça, c'est du vrai sucre. Alors, tu parlais de mauvais sucre. Alors, je vais parler de tout ça. Alors, c'est quoi du mauvais sucre et du vrai sucre? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, les seuls mauvais sucres qu'il y a, c'est les faux sucres, c'est-à-dire les édulcorants de synthèse qui sont hypocaloriques. Et du vrai sucre à côté, du vrai sucre, c'est du bon sucre. Du sucre, toutes sortes de sucres, hein. C'est pas du sucre de coco, du sucre blanc, du sucre roux, du sucre rapadura, du sirop d'érable, etc. Tout ça, c'est des vrais sucres. Des sucres qui ont un goût sucré et qui contiennent 4 kilocalories par gramme. Ça, c'est du vrai sucre. Et les faux sucres, ils contiennent zéro ou très peu de calories par gramme. Alors, ils ont un goût qui rappelle le sucré, mais qui peut être métallique, qui peut être un peu berk. Et en fait, ils mettent des faux sucres dans beaucoup de choses maintenant. Ils en mettent dans les sodas, ils en mettent dans des desserts, c'est pire en pire. Et ces faux sucres, c'est pas mieux pour le pancréas, c'est pas mieux pour le cerveau, ce serait même pire. Bon, on attend d'avoir un peu plus d'études pour pouvoir en parler, mais pour l'instant, je conseille d'éviter les faux sucres, aspartame et compagnie. En attendant, je conseille plutôt de consommer du sucre, oui, mais pas des desserts gras. C'est-à-dire, je sais pas des gaufres grasses à l'huile et au sucre, pas du chocolat. Le chocolat, ça a un goût sucré, mais ça reste. C'est méga gras le chocolat, c'est genre 70% de calories qui proviennent des graisses. Voilà. Faut arrêter d'accuser le sucre pour tout. Regardez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on donne aux gens qui viennent de se réveiller d'une opération quand ils ne peuvent pas manger? Qu'est-ce qu'on leur met là en intraveineuse? On leur met une intraveineuse de glucose, une perf de glucose, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, on le sait. Alors, bref, je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais en tout cas. Ça veut rien dire, les mauvais sucres, les bons sucres. Bon, quand on mange des fruits, c'est tout l'ensemble, il y a les fibres, il y a les micronutriments, les vitamines, tout ça, et du sucre, il y a beaucoup de sucre dans les fruits, et c'est très bien. Bon, quand on rajoute du sucre dans les fruits pour les smoothies, c'est très bien aussi, ça permet de pas se ruiner dans des fruits qui sont chers, ça permet d'avoir comme assez de calories pour pouvoir fonctionner normalement. Et il faut savoir que pour notre humeur, pour qu'on ait des hormones de sérotonine, pour qu'on ait des bons niveaux de sérotonine, ben, il faut manger des glucides. Alors, peu importe d'où viennent les glucides, c'est égal, du moment que c'est des glucides en fait. Et pas des faux sucres de. Voilà, je crois avoir répondu à toi. En tout cas, les céréales, oui, bon, c'est raffiné, certes, mais c'est pas grave. Du moment que c'est des céréales pauvres en graisse, vas-y, fonce. Au moins, tu auras quelque chose à manger, tu vas pas finir en sous-nutrition parce que tu as voulu manger trop sain. Enfin, je dis tu, je parle à tout le monde à la fois. Donc, évitez de faire des cures de jus vert, de faire des cures entièrement de plantes entières et puis faire non, 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 je touche pas au riz blanc parce que c'est raffiné. Non, non, il faut vraiment une approche réaliste pour ce monde avec des choses raffinées s'il le faut. Ça permet d'avoir assez d'énergie pour nos responsabilités tous les jours, pour avoir assez, pour être de bonne humeur, pour fonctionner normalement, pour pas être tout ramollo et vider d'énergie, quoi. Bon, rajouter du sucre dans des trucs riches en glucides pauvres en graisse, oui. Manger des desserts gras. Non. Ah, le Paul qui arrive. That's with the sugar. Okay. Yes, I was looking for the sugar. And I'm like, what? Am I blind or something? Oui, il est en train de faire du rooibos et puis on rajoute du sucre dedans. Quoi. Alors moi, je rajoute 2 cuillères à soupe de sucre dedans et lui, il en met 3. Ouais, 3, je crois. Ok. Donc, je pense avoir répondu à ta question. Donc, les céréales, on en mange de temps en temps si on en a envie. En tout cas, juste pour revenir à ces trucs raffinés, on peut en manger tous les jours, c'est absolument pas un souci. Il faut juste faire attention à ne pas manger trop de sel chaque jour. Il faut faire aussi attention à manger assez de fibres chaque jour, c'est-à-dire ouais, au moins 30 grammes. 50 grammes, ça peut être bien, mais c'est pas obligatoire d'en manger autant. On peut, hein. Il faut voir avec le temps qu'on a, le budget qu'on a pour s'organiser et puis se régaler aussi, hein. Voilà. En tout cas. Ouais, je fais ça depuis 2010 et puis je sais ce qui marche à long terme. Je sais qu'à court terme on peut faire plein de trucs un peu aventureux qui sont pas très durables, mais à long terme il faut quand même penser à pas perdre trop de poids et puis à garder un poids sain, quoi.
Ok. Ensuite, une question de Jean Lyon. Bonjour Pauline, je ne sais pas si tu peux répondre à ma question, mais je tente quand même. Toi qui t'y connais bien sur l'alimentation, comment selon toi peut-on me sortir, comment peut-on se sortir des troubles du comportement alimentaire? Merci et félicitations pour ton mariage. Ouais, ça fait un mois et demi qu'on est mariés maintenant, je crois. Ouais. Merci. Alors les TCA, bon, je pense qu'il y a plein de spécialistes qui pourront t'aider de manière plus précise que moi. Alors je suis pas médecin, je suis pas thérapeute de tout ça. Mais en tout cas, j'ai eu plein de gens qui se sont sortis des TCA en mangeant plein de glucides et assez de fibres aussi, en buvant assez d'eau et en dormant assez et en arrêtant les stimulants tels que le café, quoi, le thé. C'est beaucoup plus simple que ce qui paraît. Ça. J'ai plein de témoignages de personnes qui suivent mon alimentation et du coup, c'est bon, ça va mieux. Bon, ça peut prendre un certain temps, c'est quand même un certain travail sur soi, mais pour aller dans la bonne direction, il faut manger assez de glucides et ne plus avoir peur des glucides. C'est ça. Le nombre de personnes qui me disent « Ah, mais j'ai plus envie de chocolat, en fait, depuis que je mange plein de fruits, plein de sucres simples. » Mon envie, elle est partie, quoi. Et voilà. C'est ce qui m'arrive à moi aussi. Hein. Quand j'ai commencé à manger plein de fruits, ben, au bout d'un certain temps, je me dis « Tiens, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de chocolat. » J'y ai même pas pensé. J'ai arrêté tout seul. Et je me suis pas du tout forcée, quoi. Je me suis fait plaisir. Voilà, c'est ça le plus important. Si on veut aller dans la bonne direction, se faire plaisir avec des aliments sains, mais sans être obsédé par l'alimentation saine. Ok, j'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, les personnes qui n'ont pas testé ça, je pense pas qu'elles peuvent vraiment comprendre. Même sur le point de vue intellectuel, il faut le tester pour le comprendre. Ou alors, il faut vraiment s'y connaître en publication scientifique et puis avoir pas mal de discernement et pas avoir peur de lire les études, parce que bon courage, hein, pour voir le nombre de biais qu'il y a dedans. Ouh. Ok, quatrième question, une question de Polly. Coucou, ça fait plusieurs mois que j'ai une alimentation riche en glucides, pauvre en graisse, végétalienne, mais j'ai toujours une mauvaise haleine et c'est handicapant. En fait, même après un repas de fruits, cette haleine ressort quelques heures après et avec un repas cuit, c'est instantané encore plus fort. Je complexe beaucoup. Quand je suis à jeun depuis plusieurs heures, c'est encore pire. J'essaie pourtant de boire énormément d'eau avant et après les repas et je ne comprends pas. Je pensais que ce problème se réglerait avec cette alimentation. Saurais-tu quelle en est la cause? Ouais, alors j'ai plusieurs pistes. C'est à toi de voir qu'est-ce qui te correspond à toi, mais en tout cas, ça peut être une carie. Peut-être que tu as des vieilles caries qui te traînent depuis un certain temps, et en fait, voilà, les caries, ça fait sentir mauvais de la bouche. Donc regarde, va voir ton dentiste, peut-être qu'il va t'en découvrir que tu peux pas voir toi-même dans ton miroir, quoi. Donc ça peut être une piste. Ensuite, deuxièmement, vu que tu manges plus de produits d'origine animale, tu n'auras pas la source d'haleine, de mauvaise haleine que sont les produits d'origine animale, et puis les protéines animales qui sont soufrées et qui causent une mauvaise haleine. Ouais. Alors je sais pas combien d'eau tu bois, tu m'as pas dit, mais essaie de boire 3 litres d'eau par jour. Là ça peut vraiment aider. Et ouais, rince-toi les dents si nécessaire, si tu sens que ça prend mauvais. Et t'as pas parlé de l'hygiène dentaire, je sais pas, peut-être change de dentifrice, je sais pas ce que tu utilises en ce moment, peut-être quand tu t'en utilises pas du tout. Je sais pas combien de temps tu te brosses les dents. Faudrait peut-être voir avec la piste des caries à mon avis, quoi. Peut-être que t'en as déjà qui traîne depuis longtemps, quoi. Enfin bon. En tout cas, ça peut peut-être être un peu la langue. Peut-être utiliser un gratte-langue, mais je pense pas que ça soit la solution. Regarde aussi avec le fil dentaire, est-ce que tu en utilises? Est-ce que ça permet d'enlever les saletés qui traînent entre les dents après les repas, quoi. Voilà. Ok, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à te conseiller pour l'instant. J'espère que ça va t'aider. Après, je suis pas dentiste, mais je te conseille justement d'aller voir un dentiste. ensuite, cinquième question. Une question de Sandrine. Ouais. Coucou Pauline, regardes-tu l'acide urique, est-ce l'urée, dans ta prise de sang? Car une naturopathe dit que ça vient des céréales, que nos cellules baignent dedans et qu'ils fabriquent nos humeurs. Merci, belle journée. Or, ouais, je vais pas te casser le cou, mais les naturopathes, ils apprennent des trucs qui sont pas scientifiques. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui sont ouverts à ce qui est scientifique, mais en tout cas, c'est pas parce qu'un naturopathe l'a dit que c'est fiable. Donc, non. En fait, à chaque fois que j'ai fait des tests sanguins, mon urée, mon acide urique était dans la norme, parfait. Et après, je sais pas comment tu manges. Écoute, ce serait intéressant. Je sais pas, est-ce que tu es végétalienne ou pas, flexi. Bon, en tout cas, ce qui donne une urée élevée, c'est la déshydratation et c'est les protéines animales. Donc, regarde ça, quoi. Alors peut-être que si tu manges beaucoup de lentilles, ça pourrait faire ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé de manger beaucoup de lentilles pour vérifier ça, mais en tout cas, vas-y doucement avec les protéines. Je te dirais, évite toutes les protéines d'origine animale et bois plus d'eau. Parce que ça va changer tes niveaux d'urée dans le sang. Hein.
sérieusement. Et oui, quand il en est. Pour ce qui est des céréales, je mange des céréales tous les jours et j'ai aucun problème d'acide urique dans le sang. Hein. Je mange beaucoup de riz, nouilles de riz, pâtes, patates douces, pommes de terre. Non, j'ai pas de problème d'urée. Hein. Pourtant, j'ai fait pas mal de tests sanguins depuis ces dernières années. Et non, c'est... ça vient pas de ça. Ok. Donc, j'ai donné ma réponse. T'en fais ce que tu veux. Ensuite, j'ai une dernière question, la sixième question de Blue Waves, qui me dit « Hello Pauline, penses-tu un jour redevenir frugivore ou est-ce que tu vas continuer à manger 90-10 en mode cuit ? Bisous à toi, super vlog !» Alors que je sois en mode frugivore ou pas, c'est plus ou moins du 90-10, donc c'est-à-dire 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides. En fait, chaque année, ça m'arrive de faire quelques jours frugivore au total dans l'année, assez peu en fait maintenant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le faire, mais bon, trouver des bons fruits, c'est pas évident. Et puis quand j'ai Paul à côté qui mange des trucs délicieux cuits, c'est un peu, c'est dur. C'est dur. En tout cas, je vise pas de redevenir frugivore à long terme. Non, je pense le faire juste à court terme en fait, parce que c'est agréable, parce que je me sens super bien en étant frugivore, c'est clair. Mais pour avoir un max de bienfaits avec l'alimentation, le routine fort, ça me suffit en fait. C'est ce qui me convient le mieux. Matin, midi, les fruits. Et le soir, féculents, légumes quoi. Avec les sauces appropriées quand même. Voilà. Alors, manger que des fruits à long terme, si possible, mais bon, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses à savoir et puis faut manger 100% fruits. Hein. Et si on n'est pas dans un pays tropical, équatorial, je conseille vraiment pas. Ça va coûter trop cher sinon, et puis on n'aura pas les super fruits qu'on pourra avoir sous les tropiques. Hein. Genre les durians, les mangues, toutes ces déliciosités qu'on trouve dans les fruits, dans les pays exotiques. Ouais. Donc non, je compte pas le refaire. Mais en tout cas, je pense que c'est tellement plus simple et faisable et réaliste et économiquement possible de manger des fruits et des féculents et des légumes tous les jours. Pas besoin d'aller vers des régimes... où on vise la pureté, puis après on se crache la tête la première par terre parce que c'est trop dur, parce qu'on n'a pas un apport calorique suffisant, parce qu'on se frustre, et puis parce que ça coûte trop cher, etc. Quoi. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, même si vous êtes omnivore, vous avez besoin de prendre la B12. C'est une carence qui concerne tout le monde, pas que les véganes. Et voilà, je m'arrête ici pour cette foire aux questions. J'ai profité de cette dernière journée ici au Cap, en Afrique du Sud, et puis après on revient à Pretoria. Et finaliser cette procédure de mariage. Scrogneugneux. Bon allez, je te laisse. Ciao.